Donc, bah, on va se retrouver pour la suite du coup. Tout à l'heure, il y a eu un bug. La diffusion s'est arrêtée. Donc voilà. Donc je vais commencer, mais avant, je vais partager le truc. Tac. Hop. Hop. Putain, bug. Hop. J'ai demandé. Ok, bon. On va recommencer. Hop. Bon, j'aime pas quand ça fait des trucs comme ça me gonfle. Bon, on va recommencer. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Hop. Ok. Bon, voilà. On va faire. Hop. D'accord, donc hop, paramètres, partager, tac. Eh merde, c'est pas ça que je voulais faire, putain. Je fais n'importe quoi. Hop, hop. Voilà, tac. Tac. Tac, 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 hop, voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va les faire. Voilà. Ensuite, hop, Facebook. Hop, on va copier le lien. Tac. Voilà. Au moins comme ça, je suis sûr que c'est fait. Bon, ça devrait être bon. Je vais juste vérifier que la diffusion fonctionne bien, qu'il n'y a pas de bug. Ok. Ça a l'air d'être bon. Ok, donc on va pouvoir commencer. Donc du coup au bug je m'étais arrêté dans la grotte après avoir combattu l'araignée. Voilà, donc on va continuer. Hop. Voilà. Et c'est parti pour la suite. Voilà. Donc on s'est arrêté ici. Du coup ça je vais le poser. Les plantes pour le moment je vais poser. Non, ça je vais quand même la garder sur moi. Je vais prendre la manivelle puisque je vais en avoir
besoin. Et je crois que c'est à peu près tout. On va aller voir la suite. Donc le plan. Hop, ouais, donc ça c'est bon. Allez, c'est parti. Ça, je crois que c'est avec Chris. Ouais, il faut poser une arme cassée. Et puis. Enfin, bref, je sais plus. Ça fait tellement longtemps. De toute façon, je referai la campagne avec Chris après. Enfin, après, je veux dire. Dès que j'ai fini avec Jill. Ah, c'est quand même bien dégueulasse ici. Truc de l'araignée. Donc, alors. Ça ici, j'avais. Ah non, j'ai pas encore fait. Ouais, ok. Donc, bon, on va ramasser les plantes. Tac. Ah, ça va être parfait, ça. Hop. 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 Et puis, je vais prendre le plan. La carte courbée 1. Ok. Hop. Prendre, oui. Normalement, ça devrait pas être en vert, ça, puisque je l'ai fait. À moins que ça s'est pas. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais me dire. Donc. On va combiner ça, tac, hop, hop, voilà. Donc ce qui fait deux plantes, ça. Bon, ça devrait être bon. Donc on va l'utiliser à manivelle. Ah, la boule, elle va être casse-couille. Ici, il n'y a pas un truc. Ah non, faut, oui, c'est vrai, faut que la boule casse. Moment assez pénible. Pas un truc à faire. Voilà. Dans le fond, je crois qu'il y a des trucs. Je vais aller voir d'abord. Voilà, c'est ce qui me semblait. Tac. Au pire, on va examiner ça maintenant. Donc c'est un spray. Ok. Ça c'est nickel. Y a-t-il autre chose? Non, tout est fait. C'est bon. Ah oui, il y a un truc à faire ici. Comment faire déjà? Oh là là.
Ah mais si c'est ça. Il faut en fait que je le mette là. Pour que ça le pousse. Astucieux ce truc. Hop là. Ah. Mais mince. Mais. Ah. Bon, eh, ça me gave. Ah bah oui. Non. Ah putain, j'aime pas ceci. Cette caméra quand elle fait ça. Hop. Voilà, pour l'ascenseur, donc c'est parti. Donc c'est bon, tout est bon pour ça. Voilà, on va passer par là. Enfin, je dépose des trucs au truc. Des trucs au truc. Wow. La dinguerie. Hop. Alors, le spray, on va le poser, j'en ai pas besoin pour le moment. Hop. La manivelle, pour le moment, je vais pas en avoir besoin, je pense. Ça, je vais le poser, j'en garde juste une. Pour le moment. Ça, je vais avoir besoin. Ça non. Après. Hop. Voilà. Voilà. Donc. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'hésite à me... Ouais, si, allez hop, on va mettre un petit coup de sauvegarde.
Tac, voilà. On va reposer ça. Bon, pour moi, ça devrait faire. Je vais aller faire le truc avec. Au cas où qu'il y ait des hunters, je vais prendre le pompe. Parce que... Enfin, le fusil d'assaut. On sait jamais. Mais bon. Ça devrait être bon. Ok, bon, on va recommencer. Merde. Je me suis trompé, putain, le con. C'est pas ça? Bon, bah, ça va être quoi alors? Alors, attends. Ah, le con. Ça devrait être bon. On sait pas ça. Ouais, là, je comprends plus. Qu'est-ce que j'ai? Ah, ça le déplace. Je vais essayer ça. Ah ouais, c'est marqué là. 4, 2, 3. Attends. Ouais, c'est bon.
Bravo et merci. C'est vrai que le truc de l'ascenseur, ça m'avait vite saoulé ce truc-là. Je me rappelle que j'avais pas mal galéré la première fois. Autant il y a des énigmes, j'arrive du premier coup et d'autres, j'en chie pas mal. Bon, on va continuer de suite. Alors normalement, je vais vérifier si j'ai bien tout fait. Bon, en tout cas, merci pour le coup de main. En fait, j'avais pas fait attention, mais il y avait l'ordre qui était marqué sur le truc cylindré. En fait, j'avais pas fait attention à ça. Mais en fait, c'est quand tu m'as dit le résultat que j'ai vu le truc que j'ai vu le truc noté sur le. J'avais pas fait attention à ça. Et il me manque pas une clé pour ça. Ah non, c'est bon. I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Ah, Lisa Trevor. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Alors, ah oui, il va falloir que je récupère le lance-flamme cassé. Et puis que je mette dans le truc là-bas. Je vais faire le tour pour vérifier les trucs ici. Comme par hasard, après Barry va disparaître, enfin il va se barrer, il fait le coup à chaque fois. Alors, qu'est-ce que je peux prendre dans le coffre? Là, comme je vais être face à Lisa Trevor, je vais quand même prendre de l'herbe. Je vais pas prendre. Je vais poser celle avec le poison parce que je vais la garder, elle peut être utile. Et je vais plutôt prendre une herbe comme ça. Et peut-être un spray. Ou non, une herbe comme ça, tiens. Allez hop. On va faire ça comme ça. Voilà. Je vais aller vérifier par là, mais normalement je peux pas aller tout de suite. Faut que je casse le truc. Faut que j'envoie la caisse et que je la casse pour récupérer le lance-flamme. Non, ça sert à rien pour moi, il n'y a pas de déchets. Ça serait inutile. Alors, juste 2 secondes. Je vais revenir là après. Mais il me semble qu'il n'y avait pas un chargeur ici. Non, il n'y a pas un chargeur de pistolet ou une connerie dans le genre. Ah non, c'était en bas, je crois. Bon, tant pis, on va continuer.
Va falloir que je fasse attention parce qu'après il va y avoir les autres Trevor. Je sais pas si elle va être là tout de suite ou après. Ah, elle va être là. Alors je sais pas si on peut lui tirer dessus pour la retarder. À voir. Quand elle met des coups, elle fait pas semblant. J'ai pas envie de me soigner tout de suite, je vais attendre un peu. Ça, je vais le pousser, mais avant, je vais regarder un truc. Bon, en espérant que Lisa Trevor ne m'attend pas derrière cette putain de porte, va falloir courir. C'est parti. Ah putain, elle m'attendait là, la salope. Oh, je vais devoir me soigner parce que là je vais devenir en danger. Est-ce que si je prends ça, ça va être bon? Oui, nickel. Je vais me rechercher une herbe quand même au cas où parce que là j'en ai vraiment besoin. Hop. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment, donc je vais le poser. Tac. Bon, pistolet pour le moment, j'en ai pas besoin parce que du coup, j'utilise pas. C'est surtout le pompe et surtout le fait que je vais devoir. Surtout de la vie, c'est surtout ça le problème. Voilà, je vais prendre au moins ça. Ça serait pas mal. C'est parti. Voilà.
Voilà, on va prendre le lance-flamme cassé. On voit pas trop l'intérêt du lance-flamme cassé, mais bon. À utiliser quand même. Ah, je crois que de toute façon on peut l'utiliser que avec Chris, le lance-flamme. Mais par contre, c'est pas celui-là, c'est un autre. Et Barry qui m'a bien abandonné, cet enfoiré. Ah, donc il y a bien quelque chose qui manque ici. Mais où? Quand c'est en rouge comme ça, c'est qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas un truc ici? Ah, je viens de le voir. C'est un chargeur de pistolet. Bon, bah on va le déposer parce que je vais pas en avoir besoin. Et puis, bon, je crois que ça va être bon. Dommage, je peux pas mettre un coup de sauvegarde. Comme il n'y a pas moyen, est-ce qu'il y a moyen de... Non, bah oui, voilà. C'est pas une arme à équiper. Donc il faut que j'aille activer le levier et direct aller au truc. Parce que là, ça va être question. C'est vraiment le temps de timing. Voilà. Et ben en fait j'ai pas galéré. Donc on va pouvoir prendre le pistolet. Ah, ici il y a quelque chose. Mais il y a bien quelque chose, je sais pas. C'est en rouge. Ah, ça doit être là-bas, c'est vrai.
Voilà, ça c'est pour le truc d'Umbrella, pour le logo. D'ailleurs, on va assembler après. Une photo de famille accompagnée de quelques notes. Il y a quelque chose d'écrit au dos. Virus progéniteur administré 10 novembre 1967. Jessica, virus administré type A. Plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire. Fusion du virus négatif. Action, destruction du corps. Lisa, virus administré type B. Plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire. Fusion des virus positif mais retardée. Modification corporelle, résultat constant observé, état. Toujours sous observation pour protection. Georges, action euthanasie, 30 novembre 1967. Quelqu'un a laissé un journal. La piqûre qu'on m'a faite me donne des vertiges, je ne vois plus maman. Où est-elle? Oh, où l'ont-ils emmenée? Mais elle avait promis qu'elle s'échappait. Non, qu'on s'échapperait ensemble. M'a-t-elle abandonné? J'ai retrouvé maman, nous avons dîné ensemble, j'étais très heureuse. Mais ce n'était pas elle, ce n'était pas ma vraie maman. Le même visage, mais différent à l'intérieur. Je dois la retrouver, je dois lui rendre son vrai visage. J'ai repris le visage de maman, personne ne peut avoir ma maman sauf moi. J'ai mis son visage sur. Ok. Parce que maman triste, je la retrouve sans son visage. Dans la boîte, odeur de maman. Vraie mère, peut-être ici. Cube en pierre dur, fait mal, câble d'acier qui bloque. Pour voir maman à cause de quatre pierres. Mais il manque quelque chose ici. Je vais aller voir en haut. Oh, c'était ça, sérieusement? Bon, je vais remonter. Donc la cabane de Lisa Trevor. On va reposer des plantes là parce que j'en ai trop et j'en ai pas besoin d'autant. Je vais en garder juste une. Ça, je vais garder pour le labo. Ah, voilà, c'est ça que j'ai besoin. Voilà. Il me manque un livre, c'est pas possible. J'ai pas. Il y a un problème. Il y a un problème. On va regarder un truc. Ok, ça c'est le truc du cimetière. Résidence. Ok. Ok. Bon bah là, il y a un truc que je pige pas. Ça veut dire que. Il va me falloir ça. Mais avant. Je vais sauvegarder et je vais passer dans le cimetière. Je vais sauvegarder. Ou non, à moins que je sauvegarde au manoir. Non, je vais sauvegarder maintenant. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, je suis pas en danger après. Enfin, je m'en fous, je pourrais crever plus facilement. Donc, je vais sauvegarder.
Voilà. Bon. Ça c'est bon. Il me manque un truc. Il faut que je prenne. Mais il y a un truc qui va pas. Il me manque une troisième pièce. Alors, je vais regarder un truc. Ah non, au pire, je reprendrai une plante quand je serai au manoir. Ça, on va le mettre en bas. Comme ça, je m'y retrouve mieux. Hop. 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 Ah putain. Voilà, ça c'est bon. Maintenant il me faut. Il me manque quelque chose. J'arrive pas à voir c'est quoi. Est-ce que j'ai loupé un endroit? Non, en bas à gauche, ça va être pour le truc après, le manoir, enfin le manoir, le labo. Ça, c'est souterrain. Ok. 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 Donc, je vais aller voir dans le cimetière s'il y a possibilité d'aller chercher le magnum. Malgré que je suis pas sûr. Je vais essayer d'aller chercher le magnum. Recoucou. Hop, voilà. La statue, oui. Mais je retourne à la cabane là. Oui, la statue, j'ai réussi. Je vais tuer les corbeaux, je pense. Ok, c'est des zombies.
Donc on va prendre le magnum, donc utiliser. Ah c'est vrai, j'ai oublié. Alors. Tac. Voilà. Hop, voilà. Ah mais non. Mais non. Oui, appuyez dessus, oui, je veux bien. Voilà. Examiner. Voilà. Et voilà le magnum. Nickel. Bon. Je vais peut-être reprendre le pistolet. Et puis. Bon, ça va être bon. Donc je vais prendre. Voilà. Ça se fait tranquillement. Ça va, vous m'entendez bien là sur le live? Il n'y a pas de bug. On retourne au manoir principal. C'est parti. Hop. Ok. Alors, ah, il va falloir que je récupère la deuxième pièce comme ça et je vais pouvoir descendre dans les souterrains. N'y a plus besoin de sortir. Je vais vérifier si j'ai bien fait toutes les pièces extérieures. Mais normalement, j'ai plus besoin de retourner là-bas. Court. Non, c'est bon, tout est tout fait. Tout est fait. Résidence, tout est fait. Bon, bah, en fait, il va me manquer que. Voilà, donc si je ramasse la petite pièce là manquante, ça, la porte va se verrouiller et ma partie sera verte. Là, normalement, je peux plus sortir. Voilà. Et donc, normalement, c'est vert. Voilà. Il manque plus que le labo. Et ça va être bon. Donc on va pouvoir aller dans le hall. Le magnum, je vais le ranger parce que je l'utiliserai que pour... J'utiliserai que pour le tyran. Ça va, j'ai de quoi faire. Je sais plus s'il y a un coffre en bas. Ouais, c'est quoi? Hop. Je vais passer par la salle au corbeau et je vais aller dans le hall. J'ai dû changer des trucs parce qu'à la base il y a des zombies ici, j'en ai tué aucun. Ça c'est trop bizarre. Donc ça c'est bon. Bon bah voilà, je pourrais sauvegarder au labo. De toute façon là j'ai rien fait de particulier.
C'est parti, on va aller voir Lisa Trevor. Et avant. Juste, j'adore ce cri. Bon, soyons sérieux. Voilà. Nickel. Ah, un coffre. Je vais pouvoir poser le magnum. Nickel. Par contre, je vais affronter Lisa Trevor, je crois. Ah oui, il va y avoir Barry. Barry de... Hop. Barry de pétrole. Oh, la blague de merde. Bon, ça va sérieux. Oh! Ici, y a-t-il quelque chose? Apparemment, oui. Qu'est-ce que j'aurais loupé? Une plante? Non. Lily, sur ce que t'as loupé tout à l'heure, si tu veux, tu pourras voir, il y a la rediffusion. T'as loupé après la statue. Bah, pas grand-chose, enfin si. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher la batterie d'ascenseur. J'ai coupé la chute d'eau pour passer dans la grotte. Et puis après, bah voilà, quand tu m'as vu dans la grotte. Enfin, je sais pas en fait si tu m'as vu dans la grotte, j'ai un doute. Non, je crois que tu m'as pas vu dans la grotte. Je sais plus. Qu'y a-t-il ici? Je sais pas s'il y a un truc à ramasser. Ça clignote en rouge, mais. Je sais pas si c'est là ou si c'est en bas. Je revérifie. Attention, tu pourras revoir sur le live. Je vais affronter une araignée et puis Lisa Trevor. Enfin, affronter. Elle, je l'ai pas affrontée. Je l'ai juste, disons, esquivée pour passer quoi. Mais de toute façon, tu pourras en revoir puisque de toute façon, je dois refaire le jeu avec l'autre personnage, Chris. Jill, you're alive. I was worried because I thought you were. Start talking. Don't lie to me. Je vais lui rendre son arme. Alors. Hop. Donc là, Barry, il me couvre le temps que je repousse Lisa Trevor.
Et voilà. Elle est vraiment horrible. Mais bon, c'est pas de sa faute. Elle l'a pas choisi. Donc voilà, à la base elle peut pas mourir, mais bon, là elle s'est suicidée, donc c'est différent. Merde, j'ai pas lu. Une photo de famille. C'est une lettre, ma petite Lisa après jour. Non, jour après jour, je sens que... Ah, je sens que mon esprit me quitte. Les piqûres des hommes en blouse blanche ont fait un peu disparaître les démangeaisons. Aujourd'hui, ils m'ont injecté une substance nutritive selon eux. Après les piqûres, ta maman n'arrive plus à réfléchir normalement. Elle est choquée et triste, car parfois, elle est incapable de se souvenir de vous. Ta maman a très peur. Peur de tout oublier, surtout toi et ton papa. Vos visages, les moments que nous avons passés ensemble. Tout se brouille et son esprit s'obscurcit. Oh Lisa, j'aimerais tellement pouvoir toucher ton visage et te prendre dans mes bras pour que tous ces merveilleux souvenirs de toi et ton papa me reviennent. Lisa, nous ne pouvons plus rester ici, nous devons nous échapper. Écoute-moi Lisa, notre seule chance est de nous enfuir. Lorsque nous serons ensemble dans le laboratoire, nous ferons semblant d'avoir perdu connaissance et lorsque l'homme en blanc aura le dos tourné, nous tenterons le tout pour le tout. Lorsque nous serons sortis de là, nous chercherons papa ensemble. Tu as compris, ma chérie? Sois forte, Lisa. Le 13 novembre 1967, Jessica Trevor. C'est vraiment bien triste tout ça. Donc il manque bien quelque chose en haut, c'est bien ce qui me semblait. Je vais aller revérifier ça, j'aime pas ça. Ah non, c'est bon, ok, c'était juste... Ça fait l'étage aussi. Du coup, ça va, t'aimes bien le live, Lily? Donc là, nous allons arriver au laboratoire. D'ailleurs, on va bientôt voir la mort de Kenneth en vidéo. Et je sauvegarderai dans le laboratoire. Et voilà le passage secret, parce qu'en fait, je crois que la porte elle est fermée. Je vais revérifier, mais il me semble que la porte est fermée. C'est ce qui me semblait. Voilà le labo. On descend au labo. Donc là, on est vraiment à la fin du jeu, là.
Ok, c'est bien ce qui me semblait. Je vais regarder. Ok, donc va falloir que je prenne vraiment des trucs. Ruban encreur. Je vais quand même prendre. Je vais faire échange avec une plante rouge et verte. Avec quoi je me retrouve moi? Ah, la musique stressante. Donc, on va sauvegarder. Ok, donc qu'est-ce qu'il me fallait? Ça, je vais le poser, j'en ai pas besoin de. Il y a juste un truc. Ah oui, non, mais pas la manivelle. Je vais prendre le bidon de kérosène. Voilà. Et ça. Je vais faire un peu de nettoyage parce que. Merde. On va utiliser un peu le pistolet. Et c'est parti! Donc lui il est mort, mais il va revenir en Crimson Head. Alors je vais le cramer. Wow! Ah, j'avais pas vu lui. Merde. Ah non, merde. Ça devrait être bon. Je vais aller recharger mon kérosène. Donc là, ça va, le live, Vous m'entendez bien? La deuxième disquette. Ouais. Je vais aller brûler les zombies d'abord. Parce que là, je manque de place et du coup. Ah, la musique, elle m'énerve, elle est stressante. Donc on va tuer les zombies ici. Voilà, on va tuer lui.
Ok. Viens voir maman. Ah. Donc comme ça, je vais pouvoir aller fouiller en haut. Je vais déposer le bidon kérosène. Voilà. Oh là là, j'avais plus de balles dans le pistolet, moi. Voilà, ça c'est bon. Pour le moment, je vais déposer la disquette. Voilà. Ça, je vais le déposer pour le moment. Ah oui, voilà, donc, ok, donc là pour le moment je peux pas y aller. Va falloir que je revienne. Ça déjà je dis oui. Ah oui, alors ça c'est les trucs où il faudra mettre les disques MO. Ok. Ok. Et on va aller là. Je vais examiner ça. Un habituel. Clark David. Ok.
Je crois savoir. Je crois savoir le code. Mais par contre... Mais non. Ok. Donc normalement la porte là-bas, je peux toujours pas. Donc on va aller là-bas. Tout se débloque petit à petit. Alors, est-ce que ça va être là? Ah oui, je crois que c'est là. Ouais, bon, la flemme. Je crois que c'est ça. Incorrect. Donc, c'était pas ça. Je fouille d'abord la salle. Bon, je vais aller revoir. Alors, je revérifie un truc. Mais non. Mais non, je veux pas de ça, moi. Coucou Fabrice. Alors, voilà, ça c'est bon. Je vais revérifier avec la lumière éteinte. Partie rouge. Ok. Après. Ok. Après. Ok. Ok. Donc je vais regarder ça sur la radio. Donc ça fait le colon. Ah. Le côlon, donc C. L'œsophage, donc E. Le liver, livé, L.
Oh là là, je sens que ça va être la galère. Je me rappelle plus du tout de ça. Interviens. On va voir ce que ça donne. On va regarder ça. Donc, voilà. Ok. Ah donc c'était pas ça. Ah donc c'est bien ça, une partie, ok. Non. Je vais regarder parce que du coup là, je sais que ça va avoir Excel ou je sais plus trop quoi. Puis oui, alors quand on regarde, alors là c'est le côlon, l'œsophage et je vais rééteindre le truc. Donc, ça serait C, E, L. Mais il y a un problème là. Ou alors j'ai mal tapé le truc. Ah, je vais aller revoir ça. En fait, j'ai été con. Crois que je vais voir un truc. Je vais regarder un truc, je vais essayer. Donc c'est pas ça. On va refaire. Et... Ada John. Bon, là il y a un problème. Ah non, merde. Bon, vas-y. Je vais regarder mes documents. Note du chercheur. Montrer que la vérité affecte les génomes
très rassurant tout ça. Du chercheur. Oh le con. Je crois que j'ai compris. En fait, je crois que ça fait... Voilà. C'est ça? Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Bon, bah tout est débloqué au B2. Et on va faire pareil pour le B3. Nickel, voilà. Alors, vérifions. Tout a été fait ici, nickel. Donc, je peux aller faire la porte là-bas. Donc, je sais ce que je vais faire d'ailleurs de ce pas. Ça va là, ça bug pas le live. Ça a été débloqué. Après, je vais aller voir à l'étage du dessus. Ça, je prends direct. Ruban encreur, je prends. Je vais revenir. Il me manque des trucs. Il faut que j'aille faire de la place. Je vais revenir ici. Là, c'est pareil, j'aurais pas assez de trucs, donc je vais... Non. Voilà. Non, je vais pas sauvegarder maintenant. Je vais attendre. Donc je vais aller. Je vais aller voir ça.
Déjà. Tac. Voilà, ça c'est fait. Le spray. Hop. Ah oui, ça je dis pas non. Hop. Protocole de sécurité. Elle n'est pas réservée aux membres de la direction. Cette restriction ne s'applique pas en cas d'urgence. Passage vers l'héliport. Entrée interdite, hormis la présence d'un conseiller en recherche ou un directeur de la sécurité. Ordre est donné de tirer à vue sur toute autre personne non autorisée. Ascenseur. L'ascenseur s'arrête en cas d'urgence. Salle de données visuelles. Accès réservé à la division de recherche spécialisée. Seule caisse Irving, directeur de cette salle, peut donner d'autres personnes l'autorisation d'y accéder. Prison. La prison est sous la responsabilité des services sanitaires. Au moins un conseiller en recherche, Edward Smith. En fait, je ne sais pas si c'est Edward. Bon, c'est pas grave. Machin Smith, Ross et Wesker. Albert Wesker doit être présent en cas d'utilisation d'un virus. Porte à triple verrou. L'entrée dans cette pièce est limitée d'une personne qui désactive la serrure à l'aide de tous les codes d'accès. L'accès aux terminaux situés dans chaque section des directeurs de recherche désactivés de la serrure. Salle à haute tension dans cette pièce, principalement source d'énergie, est un composant à base de nitroglycérine. Son accès est restreint aux surveillants du quartier général. Cette restriction ne s'applique pas aux conseillers en recherche disposant d'une autorisation spéciale. Terminaux de code d'accès. L'utilisation de ces terminaux est réservée aux principaux chercheurs, ce qui concerne les progrès de Tyran. Après l'administration du virus T, le reste du document est illisible. Ça me fait une belle jambe. Cartouche de pompe, ouais. Tiens, bah d'ailleurs, on va recharger. Voilà. Hop. Du matériel de publication pour les armes biologiques d'Umbrella. M39 Cerberus. F1. Attendez. Désolé du dérangement, téléphone imprévu. Donc on reprend le F103 Neptune. Donc ça c'était le requin. MA121 Hunter. Ok. T002 Tyran. Groupe de recherche sur les armes biologiques. Équipe de développement. Bon. Merde. Ça, je vais faire après. J'ai pas le code. Ah, ok, c'est un mur.
Il était pas à la fin le truc. Oh, je vais essayer. Ah merde. En fait, je sais pas si c'est ça comme truc qu'il faut. Non, bon, c'est pas ça. Je vais aller en bas chercher la bobine. Est-ce que j'ai de la place? Oh, je vais aller vider un peu ça. Bon. Oh merde, j'ai pas reposé ça. Ah bah non, tiens, je vais les mettre dans la porte en même temps. J'en profitais. Chercher la bobine. Crois qu'il va y avoir un zombie. J'ai rappelé une fois. Bon, ok. Bah, ils veulent pas que je mette ça maintenant. À moins qu'il y a... faut examiner peut-être. Bah, non. Bon bah, je vais aller reposer ça. Je pensais qu'on pouvait ouvrir, mettre ça maintenant, mais non. Ah, ah. Je vais mettre ça après.
Alors. On va foutre ça là. Hop, hop, hop. Du coup, avec tout ça, je sais même plus si j'ai sauvegardé. Bon, c'est pas grave. Au service sanitaire, à l'attention du directeur des services sanitaires du comité d'alerte de Raccoon. Ce rapport est strictement confidentiel, il ne doit pas être lu par la personne. Non, il ne doit être lu par la personne à qui il est adressé. Toute copie et divulgation du contenu de ce fax est entière et strictement interdite par son expéditeur. Ce fax doit être détruit immédiatement après avoir été lu. Les dégâts entraînés par l'épidémie de virus T seront bien plus importants que ceux que nous avions initialement prévus. Nous portons donc à les faits suivants à votre attention. Premièrement, plus de moitié des chercheurs ont été infectés par le virus T et sont morts. De plus, la quasi-totalité des survivants commence à manifester des symptômes d'infection. Deuxième, notre équipe secrète de sécurité a été totalement anéantie. Par conséquent, nos recherches ultra secrètes risquent d'être dévoilées au grand jour. Nous vous demandons d'agir immédiatement avant que les médias ne s'arrachent l'affaire. Troisièmement, il y a des grandes chances pour que la plupart des spécimens errent en liberté dans le complexe. On peut s'attendre à une augmentation de nombre de victimes. Bien que la mort de ces personnes soit très regrettable, ces événements confirment le succès de nos recherches. Il nous faut agir sans attendre pour que les résultats de nos recherches ne soient pas divulgués au grand public. Nous pensons que la première intervention officielle sera faite dans la police d'État et des Stars. Nous vous recommandons fortement de prendre dès maintenant les mesures nécessaires les concernant. Ok. Je pouvais mettre là les codes MO HUD. J'avais oublié ça. Bon, bah, je crois que je vais le faire. Je crois que je vais chercher les codes MO. Ouais, je vais faire ça, je vais chercher les codes MO. J'avais oublié ce détail là. Puis en même temps, je vais repasser le brûlé lui.
Ah non, putain. Pourquoi j'ai fait ça? Bah alors, c'est quoi ça? J'ai pas demandé ça, moi. Ils sont sérieux? Ah, ok. Ça va être bon. Bon bah voilà, il n'y a plus rien à faire ici, donc je vais aller. Ça me fait penser que je vais aller chercher les disques. Et je vais aller cramer le zombie. Ça, je vais le poser pour le moment parce que du coup j'ai plus de place. Alors je vais prendre les disques MO. Voilà. Et l'essence, enfin le kérosène. Et le briquet. Voilà. C'est parti. Ah merde, j'ai pas rechargé le kérosène. Ça va être bon. Il a disparu. Il se fout de ma gueule. Ensuite.
Je vais pas les mettre un par un quand même, ils se foutent de ma gueule là. Bon bah je ferai après la suite. Ils se foutent vraiment de ma gueule. Bon bah je reviendrai là. Je vais déposer les trucs. Ah, il n'y a pas une autre place pour ça. C'est vrai qu'ils ont dit qu'il y avait un truc dans chaque... Je vais aller voir un truc. J'avais pas fait attention à ça, c'est vrai. Disque MO, c'est pas là. Fait, je crois qu'il y en a un ici. Ou ailleurs, je sais plus. Bon bah ça doit pas être là. Si j'en souviens bien, il y en a ailleurs aussi. Il y a des trucs qui posent des histoires. J'aurais dû prendre le pompe.
Oh la pute, elle m'a fait peur. Ok, donc là je viens pour rien. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont à me faire peur, ces cons? Ah la salope. Tout ça c'est bon. Je vais pouvoir aller au truc là-bas. Ok, bon. Ah. Voilà. Bon bah Resident Evil touche à sa fin. Le disque, moi je vais le garder. Le ruban creur. Je vais le poser. Voilà, ça. Voilà, donc je vais pouvoir aller au truc pour relancer l'ascenseur. Ah oui. Et pour ça, je vais galérer. Va falloir que je le tue.
Il va falloir vraiment que j'aille doucement. Faut que je fasse attention de pas courir parce que sinon explosion. Je crois que je peux même pas tirer en plus. Oh, on voit ces seins qui bougent quand on marche. Faut vraiment que j'aille doucement, sinon j'explose. J'ai tellement peur que ça court d'un coup. Voilà. Oh putain, mais j'en ai marre ces bestioles là. Ah, oh, il m'a fait peur cet enculé. En plus j'ai le son à fond. Enfin bientôt y aller. Donc là le jeu touche vraiment à sa fin. Elles sont stressantes ces bestioles, je te jure. Je crois qu'il me manque quelque chose, j'ai dû oublier quelque chose. Je sorte.
Putain, mais ils reviennent à chaque fois ou quoi? J'en ai tué plein. Bande de putes. Vous savez quoi, je vais sauvegarder. Oh, faut que je recharge. Je m'en sors plutôt pas mal. Voilà, je vais garder le spray sur moi. C'est fait exprès. Oh, blague de merde. Voilà, donc on va sauvegarder ça. Enfin, je refasse la campagne avec Chris. Le tyran, je vais prendre le magnum. Je vais enfin pouvoir y aller. C'est parti! Donc bah là, le jeu touche vraiment à sa fin. On va aller affronter le tyran. Jill, Jill. Barry. You could have at least waited up for me, no? Let's go. Let's go. Donc bah Barry va faire semblant de nous tendre un piège. Il nous a piégé pour nous emmener à Wesker, mais en fait c'est faux. C'est juste pour parce qu'on lui a on lui en a donné l'ordre. Pour ça que il est si bizarre. Parce qu'en fait, Wesker menace Barry de s'en prendre à sa famille. On va s'équiper du Magnum parce que là, il y aura comment ça, le tyran. Wesker. Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seem to think I was following Umbrella's orders. What? What? What are you planning? I guess it's time for show and tell.
It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Damn it! Jill and Barry, together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. Allez, bien fait. No, Barry! Mange dans ta gueule, Wesker. You viral cultured freak. Okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Mais y a pas un document. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher des munitions. Wesker must have set it off. Let's hurry. C'est bon.
Ça devrait le faire. On va aller sauver Chris. Non, c'est pas grave. Bah, t'arrives pile poil pour la fin là. Merde, pourquoi je vais là? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Ah là, t'arrives pile poil pour la fin. Talk later. First, let's get going. Alors, je vais retourner dedans parce qu'il y a des cartouches de pompe normalement. Donc là, on va pouvoir sortir. Je sais pas si tu m'entends bien. Bah oui, c'était moi qui étais devant lui, et maintenant c'est lui qui est devant moi. La blague. Ça va, t'aimes bien? Thank you.
Alors, on va examiner ça. Ah. Ok. Voilà, j'ai deux sprays et une plante verte. Ah non, un spray, une combinaison de plantes. We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Jill! You made it! Bâtard. Voilà. Jill, use it. Kill it, whatever it is. On va se soigner. Voilà. Pauvre manoir.
Si ça t'intéresse, demain je fais la suite avec. Enfin, la suite, c'est pas une suite. Je fais l'autre partie avec Chris en fait. Bon, on va passer ça. Jill, you did a fine job. Je vais pas écraser. Ouais, ça sera l'après-midi, je pense, vers 13h. Une fois de plus. Ah bah oui, il y a bien les personnages. Ça devrait être bon. Je vais regarder un truc. Ok. Bah là, je vais arrêter le live. Du coup, bah, je ferai la suite demain, enfin la suite, l'autre personnage demain, début d'après-midi, je pense. Du coup, voilà. Donc, bah, j'espère que le jeu vous a plu, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, enfin voilà, la partie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? De toute façon, il y aura d'autres jeux qui vont venir aussi. Tomb Raider, Alan Wake, et puis d'autres Resident Evil, et puis enfin bon. Tout ce qui va avec quoi, enfin plein d'autres jeux. Bah merci à toi, et puis merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Bah sinon, si tu veux, dis-moi des jeux qui t'intéresseraient, tes goûts au niveau de jeu, et j'essaierai de voir si j'ai ou pas, et puis si ça t'intéresse. Je pourrais commencer un live sur Zombie. Je dirais, mais... Donc je vais finir Resident Evil, je referai l'autre, donc avec l'autre personnage. Et puis ben Tomb Raider, et puis... Ça va être déjà pas mal, et puis dans ce cas-là, de toute façon, il y aura plein d'autres jeux qui vont venir par la suite. Donc bah bonne soirée et puis bah à demain pour la suite de Resident Evil, enfin la suite. Oh, bref. Et donc bah voilà. Je regarde un truc vite fait dans les options. Ah bah justement il y a Final Fantasy, il faudra que je me prenne le type 0 et puis le 15 quand il va sortir. Normalement, il y aura du Final Fantasy aussi, je pense. Et puis plein d'autres jeux. Il y aura même des jeux de 360 et des jeux d'Xbox One. Et puis, enfin bon, il y aura vraiment beaucoup de jeux que je vais faire. C'est quoi tes chargements auto? Envoyer automatiquement les données du jeu. Ah non, ça je m'en fous.
Bon, bah, en tout cas, merci d'être venu. Et puis, bah, du coup, bah, à demain si ça t'intéresse. Et puis, du coup, bah, voilà. Donc, je sais pas si ça te va vers 13h, 14h. À peu près. Ok, bon bah à demain. Bon, j'arrête la diffusion alors.